Les amis, regardez, je suis en direct de la chambre de Baby. Et d'ailleurs, en voyant ça, je suis en train de me dire heureusement que j'ai annoncé que c'était un garçon. Parce que là, on m'aurait harcelé en me disant que c'était une fille. Alors que c'est beige. Mais vous connaissez mon amour pour le beige. D'ailleurs, il y a un petit peu de bleu là, si ça peut vous rassurer. Enfin bref, regardez ce que j'ai pris. Je suis trop contente. C'est une balancelle. Donc là, j'ai mis le truc qui tourne en rond comme ça. Regardez. Là, il fait des ronds, mais on peut changer. Hop. Là, il va faire des U. On peut changer l'intensité. Pareil pour la musique. Attendez, je vais vous montrer. Ah, le bruit de la mer. C'est génial. J'avais ça pour Adrienne, c'était incroyable. Ensuite, je vous montre aussi ce que j'ai pris, pareil sur Baby Move. Hop, j'avais pris ça aussi pour Adriane et c'est vrai qu'il avait adoré parce qu'en fait, c'est quelque chose de très rassurant pour le bébé. Alors déjà, c'est bien adapté à sa forme morphologique. Avec la ceinture, il se sent bien en sécurité. Tout est bien adapté, que ce soit pour la tête, le contour et tout. J'avais pris ça pour Adriane. Alors, pour répondre à vos questions, sûrement que vous allez vous poser, je n'ai rien gardé parce qu'on pensait qu'on n'allait pas faire de troisième enfant. Donc, ne me dites pas, mais ils sont où les trucs pour Adriane parce que je ne les ai pas gardés. Donc, c'est pour ça que je sais exactement ce que je veux pour cette troisième grossesse et ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Et le Cozy Dream, du coup, celui-là, là, je le voulais absolument. Pour le mettre dans son lit et pour que l'enfant, en fait, il se sente bien couconné, bien en sécurité comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ça, étant donné que bébé va arriver quand il va commencer à faire beau et qu'on a deux autres enfants à la maison, qu'on va vouloir profiter aussi avec de la piscine, du beau temps et d'être à l'extérieur. Donc du coup, j'ai pris ça. Donc en fait, c'est un couchage d'appoint mini piscine, aire de jeu pour divertir bébé et le rafraîchir. En gros, ça peut, vu que c'est imperméable, ça peut autant être, là je vais l'installer avec avec son réducteur d'ailleurs, autant je peux l'installer là. Ça c'est anti-UV évidemment, pour la protection 50+, autant quand il va grandir un petit peu, on pourra mettre un petit peu d'eau et il pourra un peu se rafraîchir, barbouiller, etc. Donc voilà, et autant on peut y mettre des petits jeux, enfin voilà, je voulais un truc en fait qui le protège totalement du soleil. Il y a aussi une moustiquaire là pour le protéger des insectes, etc. Et en même temps qu'on puisse l'installer à côté de nous qui sera dehors. Et bien entendu, il est inutile de vous préciser que je vais forcément garder cette tapisserie parce que je l'adore, parce que je vois aucun problème à mettre des fleurs à un petit garçon, à un bébé et même du rose, même si bon, il y a du rose, il y a du beige, il y a du vert, il y a un peu de tout. Mais bref, tout ça pour vous dire que bien évidemment que la tapisserie va rester jusqu'à ce qu'un jour ils me disent qu'ils veuillent l'enlever parce que je la trouve juste incroyablement magnifique. Voilà, pour répondre à vos questions. Et je voulais vous montrer aussi une autre commande que j'ai fait. Je suis trop trop contente, j'ai trop hâte. Alors je vous montre, déjà j'ai pris plein de petits jeux d'éveil comme ça, donc évidemment c'est pas pour le premier mois, hein. Je suis pas inconsciente, sachez bien que c'est mon troisième enfant, je pense que je sais un petit peu ce que je fais, mais du coup j'ai pris plein de petits trucs finalement pour l'éveil de bébé qui va arriver quand même rapidement. Voilà, même une couverture d'activité, ça je trouve ça top, je connaissais pas du tout, et en fait sur la couverture il y a plein de petits trucs et tout, je trouve ça génial. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça, là aussi j'aime beaucoup, là avec ça il a de quoi s'occuper je peux vous le dire. J'ai craqué aussi sur ce petit fauteuil que je trouve trop joli. J'ai pris la table à langer comme ça, hop, avec le protège. J'aime beaucoup ce genre de couleur, un petit peu nature, dans les tons beige, vert cactus, etc. J'ai pris ce petit truc pour que bébé, bon ça sera dans plusieurs mois, hein. Mais en fait c'est une petite, comme un petit siège table d'activité, voilà. Quand il saura s'asseoir, bien évidemment. Hop. Encore un petit truc d'éveil. Parce que ça, vraiment,
En veux-tu, en voilà, ils en ont tout le temps besoin. Je sais que moi, mes fils, ils adoraient ça, que ce soit dans le parc, que ce soit dans les transats ou quoi. Ils étaient tout le temps en demande. Et pour finir, un mobile musical, pareil, dans les mêmes tons de couleurs, toujours un petit peu couleur nature, beige, etc. Un peu terracotta. Donc ça, je l'installerai évidemment quand il y aura le lit. Mais voilà, voilà, voilà. Très, 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 très contente de ma petite commande. Voilà, je commence à avoir pas mal de choses là pour la chambre de bébé, pour bébé. Et je suis très contente d'avoir pensé au petit truc d'éveil parce qu'en fait, j'avais remarqué pour mes fils, à chaque fois, ben, ça arrivait très rapidement. Et je devais vite, vite aller acheter des choses. Et donc là, au moins, on est prêt. Teta, elle est en train de m'aider. Le trou doit aller à l'intérieur. Pour le coup fin. Et je peux vous dire que des fois, on est des blondes. Franchement, pour monter des choses, des fois, on est vraiment des blondes. Mais non, et c'est ça. Non. Aujourd'hui, c'est full chameau du bébé. Oh là là, quel enfer. Non, mais regardez-moi là. Attends, attends, mais montre-nous ça. Surligné. Non, mais nous a fait un exposé. Dites-vous, ça, c'est le brief d'une marque. Il y a tout. Non, mais et là... encore, je me suis arrêtée à juillet. Et ça jusqu'à... Non, pardon, avril. Et ça va jusqu'à juillet. Donc voilà, tout est détaillé. Mais tu rigoles pas là, en fait. Ben non. Elle, vraiment, elle m'a fait un exposé. Ma parole. Non, non, non.